Ok, c'est bon les amis, c'est parti, let's go. Alors on apparaît où là? Ah, je suis pas fan là par contre. C'est pas grave. Putain de merde, y'a du monde. Oh, y'a. Mais non! Ah ouais, bah oui, ça c'était évident. Putain, ça me saoule. Je suis vraiment de la merde là ce soir. Excusez-moi pour les gros mots, mais quand c'est comme ça, ça me gonfle. Faire de la merde comme ça, là, c'est horrible. C'est horrible. Sachant que, alors voilà, il y en a, ils m'ont invité. Donc, Atis, bon, bah, on a fait des games ensemble. Alors, Mekans, et Hugo. Voilà, bah, je vous le dis, petite dédicace à vous au passage. Atis, pareil, dédicace à toi. Si vous voulez qu'on se fasse une petite game comme ça en squad et tout, y a pas de souci. Alors bah Mekas il est connecté, donc j'aurais bien fait une game là en squad pour vous montrer un peu à deux que c'est un peu moins galère parce qu'on peut se couvrir et tout. Mais voilà, je connais pas ni rien, donc du coup on va attendre, hein, on verra bien. Ça t'amuse toi? Tiens, ouais, c'est ça construit. Tiens, regarde tes constructions de merde. Voilà. Enfin, bref. Donc, n'hésitez pas à m'inviter hein, si vous voulez faire du genre squad et tout. Moi, si ça peut me permettre d'améliorer mon jeu, franchement, je dis banco direct. Hein. Sans problème. Bon, on va peut-être pas se larguer tout de suite là. De voir je me sers putain. Allez vas-y let's go, descente en piqué direct, on va aller là tiens dans les maisons qui sont là. Moi, ça me semble très bien ici. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai vu, mais moi je l'ai vu. Donc là j'hésite même pas. Voilà. Grosse trousse de soins. Parfait. Sachant que là après. Eh merde. Hop, voilà. Alors faut savoir que la grosse trousse de soins. Même si les bandages vous pouvez vous monter jusqu'à 75% seulement, grosse trousse de soins ça vous remonte à 100%. Donc ça c'est cool. On a une arme, on a du soin. Maintenant, il s'agit de pas crever aussi. Ça c'est autre chose. Munition, on va prendre l'arme aussi. Oh, c'était. T'es visité ici non? Quelqu'un qui est venu là? Oh oh oh! Ah bâtard! Bâtard, bâtard, bâtard! Je me corse moi. Pour me soigner. Bah là direct, j'ai pas le choix. Vite, 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 vite.
Voilà, nickel. Par contre, mais sérieux, regardez la connerie que j'ai fait. Oh là 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 là, c'est tellement pas précis cette arme de merde. Voilà. On va se soigner. Ah merde. Bon, bah, pas le choix. Je suis à 60, bon, on a toutes les chances de notre côté. Se soigner complètement à découvert, c'est hyper intelligent, comme vous pouvez le voir. J'aime bien faire des trucs cons, des fois. Enfin, des fois. Souvent. Parce que là, le fight, là, coûtait cher en munitions, celui-là. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Alors, attendez, je regarde, check la map, ok, on est dedans. Ça c'est bon. Petit pompe, parfait. Ah bah non. Ouais, par contre. Voilà. Encore un pompe. Je m'en fous. Il reste quand même encore 40 mecs. Ouais, à la limite, allez. À la place de ça. J'ai cru voir quelqu'un là-bas. Dans le bâtiment. Ah bah. Oh! Mais non! Bah pas à cette distance avec l'arme que t'as, mec! T'es pas sérieux là! Attendez, lui on va rester un peu sur lui. On arrêtera de toute façon la vidéo après ça. Mais on va rester sur lui parce que là lui, à cette distance avec une arme aussi merdique, franchement non. Moi là je dis non. Y a pas moyen, mec. C'est pas faisable. Je suis pas d'accord. Après, les mecs, il y a certains cheaters, ils sont pas cons. Ils vont, comment dire, essayer de cacher leur cheat. Par exemple, viser auto sur un joueur ou quoi. Ils vont essayer de le cacher parce que bah, s'ils ont peur de prendre un ban quoi. Donc là par exemple bah lui je trouve ça quand même suspect parce que son arme c'est un truc en rafale en plus. Il est pas précis du tout son flingue. Il m'a mis une rafale, il m'a tué. Alors que j'avais 75% de mes points de vie quoi. Alors, je suis désolé mon gars mais.
Regardez-le! Moi, il me paraît suspect. J'en avais croisé un une fois. En fait, je suis arrivé dans son dos avec les fusils à pompe verts là, donc peu communs. On va dire les appeler comme ça. Enfin, les verts, c'est quand même les gros en plus quoi, Mastoc. Regardez ça! C'est pas précis son arme. À la distance qu'il m'a tiré, il a cru quoi? Qu'il m'a mis une rafale, il m'a tué quoi. C'est abusé. Enfin ouais, donc je vous disais, je suivais un gars et tout. Et en fait, il m'avait pas vu du tout. Et à un moment, il s'arrête dans une petite baraque, donc j'attends qu'il sorte de la baraque. Hop, et je suis arrivé dans son dos, mais à... J'étais quoi, à 1 mètre, j'étais vraiment collé à lui, limite. Je prends le pompe, je mets 3 coups de pompe, il meurt même pas, le mec. Ah, mais là, mon gars, tu construis, mais t'es con, parce que t'es hors champ, là. Enfin bref. Et le mec, je mets 3 coups de pompe à bout portant. Et il a même pas bronché. Il a même pas. Enfin. Il a pas bronché. Ah, ça arrive sur toi, attention. Il a pas bronché. Il s'est retourné. Il m'a mis un coup de pompe. Il m'a tué, quoi. Et là, je vous avoue, j'ai été grave dégoûté. Non, c'est pas un cheater. Non, non, c'est pas un cheater. Enfin, voilà. Bon, bah écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. D'ailleurs, ce mec, je l'avais report parce que, après, en fait, après lui avoir mis les 3 coups de pompe, il m'a tué. Ils m'ont mis sur sa caméra. Et il avait 100% de bouclier et 100% de vie. Et avec 3 coups de pompe à bout portant dans le cul, c'est impossible. Voilà. Enfin, bref. Bon les amis, en tout cas, je vous laisse pour cette vidéo, donc je suis désolé, j'ai pas fait de très bonne game, vraiment fait de la merde ce soir. J'en suis vraiment désolé, je vais essayer de m'améliorer, de vous faire des meilleures games. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse des games ensemble, ça me ferait super plaisir. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao! Salut à tous les amis, c'est McFly86, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc sur Fortnite. En mode Battle Royale, donc c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo dessus et apparemment ça a manqué à pas mal de personnes. Alors je vois qu'il y a eu une mise à jour, donc apparemment voilà, on peut ok, on peut changer ces trucs. Ouais, ok, on peut avoir des ouais, d'accord. Bref, butin de combat, d'accord, on peut avoir des skins quoi, c'est pour Halloween entre autres, c'est sympa. Donc ils ont mis du coup les trucs, les statistiques, tout ça, enfin les, comment dire, les classements, voilà. Hein. Donc bah c'est parti sans plus tarder, hein, on va chercher un match. Alors c'est vrai que j'ai pas mal joué sans vous faire de vidéo, mais c'était pour étudier un peu la map, tout ça, les spots qu'il y avait. Et en fait je me rends compte que des fois on cherche, la plupart des joueurs vont dans les villes, tout ça, pour chercher le matos. Et moi je me suis rendu compte que bah c'est pas forcément dans les villes qu'on va trouver le meilleur équipement. J'avais fait une game où j'avais fini 1e. Enfin, c'était une game en équipe. Mon partenaire s'est fait tuer, mais moi j'ai continué et j'ai réussi à faire 4e. Donc j'avais un sniper, j'avais vraiment du bon matériel. C'était plutôt sympa. Ah, attendez, parce que je crois qu'ils m'ont. Ils m'ont changé mes. Ah ouais, ils m'ont tout changé. Ah putain. On va essayer de faire ça vite fait. Ah non, la partie va être lancée.
commande. Mode curseur. Sauter, tirer, recharger, utiliser. Modif construction. Ça, je m'en fous. Alors attendez, parce que du coup voilà, ok, ok, bon, je suis pas sûr que ça m'ait validé mes trucs. On va checker rapidement, tant pis pour si c'est bon. Espace, mode curseur, recharge, utiliser, modifier, construction, réparer, améliorer, plus voter, structure, sprinter, mage gauche, ok, ça marche. Bon, let's go. Je vais essayer d'aller là, sur cette montagne là. Ouais, bah non, mauvais plan. Il y a déjà quelqu'un qui est venu ici. Ouais, je commence très mal du coup. Ça, c'est relou, ça, qu'ils enlèvent les... qu'ils modifient mes touches dès qu'ils font une mage. Je vous cache pas que ça me gonfle un peu. Là-bas, il y a une maison. Alors, je vais juste voir s'il n'y a pas quelque chose ici. Ouais, non, rien d'intéressant. On va aller voir la baraque qui est là-bas. Ok, je suis dans la zone. Bon, ça déjà, c'est un bon point. C'est toujours ça. Ouais, ok, pas terrible. Les ressources, c'est toujours bon à prendre. Encore la même arme. Ça, je préfère autant. Du coup, on va faire comme ça. Bon, par contre, pas beaucoup de munitions. Bon, c'est une arme de merde, je vous le cache pas. Malheureusement. Mais bon, on est à combien? 42. On a 42. 42 briques. Je voulais voir si ça zoomait un peu, mais non. Là, concrètement, là, parti comme c'est, là, je croise quelqu'un, je suis très mal. Ou alors la personne, c'est vraiment une merde, mais y a que ça à espérer, quoi. C'est que la personne soit vraiment nulle et que du coup, j'arrive à la dégommer assez facilement. Mais là, en plus, on a de la merde. Ouais, des munitions. Un piège. Bon, pourquoi pas. Vu comment je suis éloigné de tout le reste, le piège, je vais pas le mettre là. Même si c'est assez stratégique, vous cassez rien dans une maison. Et puis vous placez. Ah là, je vois, il y a un bâtiment apparemment dans les bois là. C'est assez stratégique. Ouais, il y a une grande ville en plus. Vous placez dans un bâtiment, par exemple, genre là, j'y vais. Personne n'y est passé. Oh, si, il y a du monde qui y est passé. Ah, quoique, non, peut-être pas en fait. Vous placez un piège, comme moi j'ai eu là, et vous avez moyen de faire du kill. Ah, apparemment, non, personne n'est passé là. Peut-être moyen de faire un truc bien. Le truc violet en plus. Alors ça déjà c'est très bon. Bon, ça me gonfle. On va le jeter. Ah merde.
Je vais vite fait dans les commandes pour modifier ça. Oh waouh waouh waouh! Ah ouais! Carrément! Putain! What? Je lui ai pas mis de dégâts! Quasiment rien! Ah GG le mec! Ouais, mais ça en fait, il y a beaucoup qui font ça maintenant, ils se capent. Oh, j'aurais dû monter en haut avant. Ils se capent en fait. J'ai pas pensé à regarder par la fenêtre. Mais les mecs, ils se capent dans un coin, ils bougent pas, et puis voilà, Bon, on s'en fout de ce qu'il fait. Il campe en fait. J'ai vu beaucoup de gens faire ça. Il campe de ouf. Il se pose dans un coin, il se met dans la zone, il se pose et il bouge pas. Ils attendent patiemment. Donc voilà. Et là le gars, bon bah il a géré rien, hein. Il se posait dans la baraque, il était accroupi et tout. Voilà. Là c'est un peu. Bon maintenant voilà, mes contrôles sont mis et tout, on va essayer de faire moins de merde. Je vais essayer de gérer mieux que ça, parce que ça va pas du tout. Après j'ai vu aussi apparemment AIE, il commence à y avoir quelques cheaters sur Fortnite. De plus en plus de cheaters, plutôt, je devrais dire. Et moi je trouve ça complètement dommage, c'est complètement con quoi, les mecs qui. Enfin voilà. Après franchement si vous en croisez. Après, enfin. Faites rien si vous avez un doute. Mais par contre. Si vous avez aucun doute, quoi, n'hésitez pas à report ou quoi, à le signaler le gars. Parce que franchement, c'est relou, quoi. Je sais pas, mais. C'est vraiment chiant. Moi, je sais qu'une fois, il y a un gars, j'ai eu un gros doute quand même. Avec un sniper, je lui ai mis 3 balles, il a pris les 3 balles. Hein, parce que je l'ai vu. Et. Il s'est posé dans un coin. Il m'a attendu, j'ai avancé bêtement en plus vers lui. Il m'a tué. Sauf qu'après j'étais sur sa caméra et il avait pas perdu de vie. Mais quand je dis pas perdu, il était à 100%. Hein. Donc après, voilà, même si on a du bouclier, concrètement, c'est un peu... Hop, allez, let's go. Là on perd pas de temps. On tape dedans d'entrée. On va pas aller direct dans la ville. Ce qu'on va faire c'est... Il y a du monde sur nous, hein. J'en sais rien. On va aller par là, là. On joue une petite cabane, là. Qui a l'air très bien. Ah bah non, en fait. Pas bien du tout. Je fais gaffe parce que on peut se faire dégommer avec une simple... Ok, on peut se faire tuer à la pioche. Hein. Moi j'ai réussi à faire un kill d'ailleurs à la pioche. Voilà, il y a quelqu'un dans la baraque. Je viens de voir un truc taper. La porte est ouverte en plus. Ça tire. Et ils sont sérieux là, j'ai que des munitions, putain. Je
je vais me faire plomber le cul. Donc j'ai au moins la flingue. Un petit coffre, une caisse. J'essaie de repérer, voir où ils sont. Après, on va faire un peu le rapace là, je pense. Ça a l'air de chauffer quand même pas mal. Essayer de trouver un gars qui est mort et puis ouais bah, deuxième flingue on s'en fout. Alors la zone bien sûr. Alors vous, je sais pas si vous avez entendu, mais moi j'ai entendu marcher. Donc je fais gaffe. Essayez de sortir par le toit. Ouais, là-bas il y en a un. On va pas tirer pour pas se faire repérer. Que bon voilà, on va pas s'arrêter là. Bon là ça a été visité, j'ai l'impression que ça a été visité un peu partout en fait, malheureusement. Eh ben non, pas ici. Pourquoi je peux pas la prendre, merci. Bon, c'est pas des armes fofolles. Mais bon, on fera avec. Bon, on a des grenades, ça peut être bien. Pour ceux qui ont vu mes vidéos Fortnite, rappelez-vous, j'avais réussi à en niquer un. Proprement à la grenade, je lui ai jeté à ses pieds, il l'avait même pas vu. Là, y a rien, bien sûr, ça a été vidé. Truc de munitions. Oh. T'es où toi? Ils sont où les mecs? Ils sont pas loin. Ils sont vraiment pas loin. Ah ah! Fusil à pompe là-bas. Oh le batteur! La distance de malade qu'il est! Sérieux? Ah bah oui, mais vu l'arme qu'il a, oui, d'accord. Ok, après, là je vais regarder quand même, parce que j'ai vu des... Là il tire à travers l'arbre. J'ai vu des cheaters. Ouais. J'ai vu des gars, ça se voyait clairement. Dès qu'ils appuyaient sur viser, paf! Ça se pointait dans une autre direction, quoi. C'était ouf. Alors lui, qu'est-ce qu'il avait en plus? Ah, il avait du bon matos quand même. Pas chier. Bon, bah voilà, c'est encore un échec. J'ai même pas vu combien j'avais fini. Pff, n'importe quoi. Si, pour info, parce que je me suis renseigné, bah là, d'ailleurs, on va pouvoir le voir, voilà. Dans ça, là, si vous voulez le... Comment dire, le parachute, en fait, faut finir une session... Number one. Voilà.
faut être number one sur une game, donc voilà. Après, je sais plus si c'est en solo, en coop ou quoi, je crois que c'est peu importe en fait. Faut, voilà, faut finir premier. Moi, l'autre jour, j'ai frôlé, j'étais quatrième. Je vous cache pas que j'avais un peu les boules parce qu'il y en avait deux en face de moi et un dans mon dos, et du coup, j'étais un peu en sandwich. C'est comme ça d'ailleurs que je me suis fait tuer malgré mes constrictions, et voilà. Bon, on relance une game et on se retrouve.